Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Antonio Pacheco. Voilà, encore une deuxième fois. Alors j'ai eu des nouvelles. J'ai eu des nouvelles de Antonio Pacheco. Il a déposé plainte contre ceux qui l'ont agressé. Et franchement, il n'aura même pas le droit de décoller ici pour aller dans son pays actuel. Bon, bref, où il demeure. Bon, bref. Il y en a un qui a été attrapé, donc c'est bien, c'est très bien. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, que tout le monde se fasse choper et que ces personnes sont très punies, soit être en prison en France. Car si on les renvoie chez eux, ils seront en liberté. Ils seront en liberté. J'ai même appris que l'ambassadeur ivoirien a téléphoné pour soi-disant discuter avec eux. Et en réalité, c'est tout simplement pour démasquer où ils habitent, pour qu'ils puissent envoyer leur petit vilain Tintin. Voilà. Donc voilà, c'est juste ça, c'est juste une petite vidéo rapide. Mais franchement, ça me gave leur connerie. Là, on est dans un territoire où normalement la violence aurait même pas dû y avoir. On est dans un pays où on aurait dû pas avoir de violence. Même en Afrique, on aurait dû jamais avoir de violence. Mais comme d'habitude, il y a toujours des petits cons qui croivent à des conneries et qu'en réalité, eux-mêmes, c'est des petits maîtres de maison. Et ceux qui ne comprennent pas ça, c'est qu'eux-mêmes, c'est des maîtres de maison du cerveau, qui n'ont rien dans la tête. Voilà. Bah, allez, c'est pas pour vous emmerder. Je vous dis à plus. Et à plus tard, je vous aime tous, bonne vidéo à tous, au revoir, bye.